Salut, salut, voilà, c'est toujours moi, Jamas Pita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Voilà, on fait avec. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous indiquer un peu comment est-ce qu'il faut postuler à la bourse de la Corée du Sud. Voilà, en fait, j'avais reçu l'information, mais j'attendais que les informations soient effectives avant de vous donner des aperçus. D'abord, pour postuler à la bourse de la Corée, sachez que c'est vrai, la date maximale, c'est quoi? C'est le 12 mars. Mais ce que vous devez faire, vous devez appeler les ambassades de la Corée qui sont situées juste dans vos pays, voilà, pour pouvoir savoir. Parce que cela dépend, la date de fin dépend de chaque pays. Voilà, donc vous appelez l'ambassade. Et puis, vous allez savoir quelle est la date de fin dans votre pays. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour pouvoir postuler à cette bourse, il faut être pour la licence, il faut être âgé de moins de 25 ans. Voilà. Et pour le master ou doctorat, c'est être âgé de moins de 40 ans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne les dossiers à fournir et tout ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous indiquer comment ça se passe parce que dans cette vidéo, la bourse de la Corée du Sud est comme la bourse de la Turquie. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite, lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site, voilà, vous allez maintenant commencer à postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer comment est-ce que on s'enregistre et après, on verra comment faire. Voilà, donc on y va et à tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, alors je vais mettre ce lien en description, comme ça vous allez venir vous inscrire un peu rapidement. Voilà, donc pour le moment, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vous inscrire avant de pouvoir postuler. Et ça, et ici, c'est quoi? C'est l'interface de la bourse. Voilà. Donc, si vous voyez bien Study in Korea. Donc, ici, vous allez venir directement sur Sanyap. Voilà. Vous allez venir là. Sur Sanyap et ça va vous envoyer. Voilà, ça vous envoie là. Donc arrivé ici, qu'est-ce que vous faites? Arrivé ici, vous venez, vous cochez juste les éléments pour dire que vous êtes d'accord, vous cochez là. Et aussi, vous venez, vous cochez aussi là. Et ici, on vous demande si vous avez moins de 14 ans. Si vous n'avez pas moins de 14 ans, ou est-ce que vous avez moins de 14 ans? Vous mettez que vous n'avez pas moins de 14 ans. Donc directement. Agree, c'est-à-dire je suis d'accord. Donc, quand vous dites que vous êtes d'accord, ça vous envoie, vous cliquez sur Agree, ça vous envoie directement sur l'interface d'enregistrement. Voilà, donc c'est ici que vous devez vous enregistrer. Eh bien, moi j'ai essayé l'enregistrement, je me suis déjà enregistré. Donc, ici c'est vrai que on va prendre des éléments. Donc, ici nationalité Côte d'Ivoire, nationalité Côte d'Ivoire. Donc vous prenez votre nationalité. Nationalité, Côte d'Ivoire, le nom. J'avais mis Agua, ben, je vais changer parce que je me suis déjà enregistré avec ce nom. Je voulais juste essayer les paramètres. Donc, nom. Identité, ici, ce que vous devez faire, l'identité, vous devez vérifier si ça marche. Vous mettez d'abord et puis après vous vérifiez. Voilà, moi j'avais mis Pita 21, mais vous aussi vous cherchez pour vous, vous mettez pour vous. Commencez à chaque instant par une lettre majuscule, comme ça va vous arranger. Et mets Lening 23. Voilà, et le password aussi, le password, je peux prendre par exemple, le password, vérifiez bien, voilà, c'est une combinaison de 9 à 20 caractères,
Donc essayez de panacher un peu pour que ça puisse vous arranger. Donc le password, moi je prends par exemple. Donc je vais 22 et on confirme le password ici. J'ai pris Gilbert 22. Ok. Donc ici c'est le password de mining. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir ça, cette question. Là, si vous avez oublié votre password, voilà, vous pouvez répondre à cette question et il vous renvoie votre password. Donc ici on vous demande, ici par exemple, vous choisissez une question et vous-même vous répondez. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ici, quel est votre sport préféré? Je vais penser que c'est un peu plus facile. Donc sport préféré, football. Voilà, c'est tout. Après ça, qu'est-ce que vous faites ici pour le mail? Pour le mail, je vais pas prendre la même chose. Je vais changer le mail. Donc pour le mail, je vais prendre. Ça c'est le mail du compte YouTube. Ok, donc gmail.com. J'espère que je suis trompé. Worldrussia@gmail.com. Ok, donc une fois que vous finissez, vous cliquez sur sign up. Ok. Donc, on va voir s'il y a un souci. Donc, pour Giga, le A, je vais prendre deux fois A. Je crois que ça va marcher maintenant. Donc, Giga. Deux fois A. Un, deux, trois. Voilà. Ici aussi. Chica. Deva A. 1, 2, 3. Donc, j'espère que cette fois ça va prendre. Voilà. Donc, on attend pour voir. Ok. Donc, ça a pris. Ça a marché. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer directement sur. Donc une fois que vous finissez, ils vont vous envoyer directement sur la page. Voilà, pour que vous commencez donc ils vont vous envoyer juste là. Voilà. Donc si vous remarquez bien, ils ont lancé ça le deuxième mois. Et ça va finir le 12 troisième mois. Mais ça ne veut pas dire que dans votre pays, ça va finir le 12 troisième mois. Donc appelez votre ambassade, l'ambassade de la Corée dans votre pays et vous allez savoir quand est-ce que ça prend vraiment fin. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas, c'est vrai que sur le site c'est 12 troisième mois, mais appelez au moins votre pays et votre ambassade, ou bien l'ambassade de la Corée dans votre pays, pour savoir à quel moment ça finit. Alors merci, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et tout à l'heure pour la suite. Merci et